Eh bien bonjour à tous les amis, je suis Darkoz et bienvenue pour un nouvel épisode de Ark Survival Evolved. Petit épisode désolé, différent des autres parce que je suis malade et que je glisse sur des rochers de manière assez huilée, si je peux me permettre. Petit épisode découverte, car la dernière fois nous avions vu que il y a désolé, hein, il y avait eu quelques changements de graphisme au niveau des dinos, notamment le Rex, le loup, tout ça, tout ça. Et donc du coup je me suis dit autant faire les choses bien et carrément voir tous les dinos qui ont été remodélisés, les tester et tout et tout. Et donc du coup on va le faire dans cette vidéo. Donc, du coup, j'ai placé tous les dinos ici qu'on puisse les tester. Et j'ai monté le son du jeu que vous puissiez entendre parce que la dernière fois j'ai même dû mettre des musiques de fond parce que c'était assez faible hein, le son du jeu. Voilà. Donc commençons par Carla qui est un peu en retrait par rapport aux autres. Alors, le redesign du Sarcosuchus est bien. Tout simplement parce que il n'y a plus ces petites dents qui servaient à rien devant là. La bouche est plus fine au niveau d'ici. Les écailles aussi sont mieux faites vers là. Vous voyez les petits pics, ils n'étaient pas aussi marqués là où je pointe avec mon épée. Bon, la queue est toujours autant buggée, hein, mais ça c'est normal. Donc voilà, ça c'est cool. On ira les tester après. D'abord, je vous montre le physique. Bon, le T-Rex, vous l'avez déjà vu. Les dents sont ressemblantes. Il a plus une tête de menaçante que viens, je vais te faire des câlins. Donc ça, on l'avait vu. Alors, l'ours. L'ours à présent qui a bien une tronche d'ours, hein, ça c'est sûr. Il a bien une tronche d'ours. Et physiquement, il est vachement bien. Le pelage est mieux fait. Franchement, je trouve que l'ours a très bien été remodélisé. Je pense pas qu'il... Ah si, un peu. Oui, un peu de remodélisation physique du Parasaur. Mais c'est plus sur sa capacité qu'on verra après, que je ne connais quasiment pas. Donc le loup qu'on avait vu la dernière fois avec sa capacité géniale de détecter les ennemis faibles et tout ça. Le singe, alors le singe. On va faire quelque chose avec ce singe. Donc on va lui enlever ça. Pour qu'on le voit mieux. Voilà, il a carrément été remodélisé et ça lui va beaucoup mieux. Voilà. Donc on va quand même le pauvre lui remettre lui remettre son casque. Voilà. Et l'une de mes préférées, si ce n'est ma préférée, les aigles. Les aigles sont juste magnifiques. Alors attendez, je prends Poussin et je vais vous montrer déjà en vol. Regardez comment il tourne. Il penche la patte et tout. Pour tourner, il penche, c'est absolument magnifique. C'est juste trop beau. Regardez ça. Il penche la tête pour voir, c'est tout simplement magnifique. Voilà. Donc, voilà, donc l'une de mes remodélisations préférées. Remodélisation. Donc. Du coup, voilà. Il y a le spinosaure que physiquement, c'est pas très très flagrant. Il y a quand même pas mal de trucs qui ont changé et qui se voient. C'était magnifique ce que tu nous as fait, Poussin. Donc lui, par contre, lui c'est plus comment on va le tester, sa manière de se déplacer et tout, qui va être vachement flagrante. Et on va tout de suite aller voir le physique. Ah oui, j'ai buté lui pour qu'on puisse tester les attaques en toute sécurité. Alors on va rentrer là, voilà. Nous allons voir les autres dinos que j'ai pas pu. Oula, il y a beaucoup trop de bruit ici. Où est-ce qu'il est-il? Bon, déjà les raptors. Déjà les raptors qui sont complètement magnifiques. Et qui sont alpha maintenant. Chose que je ne savais pas.
Et c'est vrai que les Raptors là ils sont vachement plus beaux. C'est flagrant. C'est vraiment genre j'aime beaucoup cette retexture ration. Oui, je sais pas les mots à utiliser. Par contre, lui, il a des petites entailles. C'est vachement bien fait. Donc le kangourou aussi qui a vraiment été refait. Alors il peut transporter maintenant des bébés dans sa poche, mais on ne pourra pas le tester vu que j'ai pas la selle et que je compte pas la faire parce que j'aurais inutilisé les engrammes, tout ça, tout ça. Voilà. Alors on va sortir d'ici. Hop, hop. Allez, il y a beaucoup trop de bruit ici. Donc, qu'est-ce qu'il y a? J'ai faim, j'ai soif. Dans le doute, je fais les deux. Donc, commençons par tester le Sarcosuchus que je n'ai absolument pas testé. Oula. Alors déjà les bruits. T'es dans l'eau. Wow. Il va vachement vite. Ah, il fait. Wow. Oh là 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 là. Oh, ils se sont tellement chauffés comme un vrai crocodile. Allez, on essaye. Faudrait essayer sur une créature marine en fait. Bon, par contre, j'aime bien le. Je sais pas si ça le faisait avant, vu que j'avais pas trop activé le son fort avant. Là, j'ai vraiment activé le son fort pour moi dans mon casque. On va essayer de s'attaquer à, je sais pas, lui. Essayer de voir comment cette attaque marche. C'est compliqué à viser. Faudrait une grosse créature. Alors, je vais réactiver la. Voilà, parce que je vais sûrement mourir de. D'oxygène. Et du coup, sur la terre ferme, c'est quoi sa deuxième attaque? D'accord, c'est la même. Bah, on va la tester sur la terre. Oh! Voyons. D'accord, ça marche que sur les petites créatures. Parce qu'on a vu le dodo là, alors il est complètement rect. On le prend dans la gueule, on le fait tourner et puis on le défonce. Ok, alors. Alors, attends, attends, attends. Non. Pourquoi? Oh, maintenant le Triceratops shoot. Enfin, c'est pas qu'il shoot. C'est pas qu'il shoot, mais il stun. Enfin, comment expliquer ça? Il rend confus, voilà, pour la traduction française. Bon, on va passer par l'eau parce que c'est beaucoup plus rapide. Voilà. On va aller voir les autres créatures. Voilà. Nickel, re-bien placé. Alors, pour l'ours. Comme avant, il prend de la vitesse au fur et à mesure qu'il court. Donc, les attaques ont pas l'air d'avoir changé. Ça lui se met. Voilà. Il y a eu un petit changement, mais c'est très très léger. Lui, c'est plus sur le physique, j'ai l'impression qu'ils ont misé. Petit bonus que j'ai oublié de quelque chose que j'ai oublié de faire dans la vidéo, c'est de vous montrer le raptor. Donc, en gros, le raptor, il peut sauter et atterrir sur un ennemi. Il peut donc attaquer normal. Et il peut. Je dis que c'était une de mes remodélisations préférées, mais je ne voulais pas fait tester. Donc, on va bien voir comment il fait. En gros, il se met sur l'ennemi. Regarde, il lui saute dessus. Là, il est entre ses pattes. Et il n'a plus qu'à le dévorer. Voilà. Il est absolument génial. Sur ce, je vous laisse. Bonne continuation de vidéo. Les aigles, bien sûr, ça. Ils ont.
Ok. Oh! J'ai bien fait de mettre cette carcasse là, moi. Régénération rapide. D'accord, quand je tape un cadavre, ça nous met de la régénération rapide. Ça, c'est cool. C'est vachement cool. Bah, heureusement que j'ai mis ce cadavre là, parce que sinon on ne l'aurait pas vu. Donc lui au niveau des attaques. Ramasse des baies et tout. Et il m'éjecte. Ok, ça a pas changé. Le parasaur qui va être assez intéressant. Detected an enemy. Ouf. Où tu as détecté ton ennemi? Un ennemi, ouais. Voilà, donc il détecte les ennemis. Donc c'est un peu comme le loup, mais lui avec le. Parce que de base, ça, la corne qu'il a derrière la tête, c'est une chambre de résonance pour qu'il son cri soit beaucoup plus fort. Donc ça peut en effet servir de sonar dans Ark. Ça reste pas cohérent, mais ça reste dans le délire. Donc ça c'est plutôt pas mal. Oui, je voulais tester lui. Tac. La maladie. Donc, alors déjà, pour tourner, beaucoup plus facile. Et pour courir, regardez sa collerette et tout. Je rêve. Je rêve. Attendez, je rêve ou... Nom d'un petit bonhomme. Ce qu'il faut savoir, c'est que le Spinosaur... Oh putain, c'est beaucoup trop classe. Ce qu'il faut savoir, c'est que le... le Spinosaur est piscivore, ça veut dire qu'il mange des poissons. Et donc du coup, il a besoin de ses deux mains pour chasser. Oh, ils ont rajouté ça, c'est trop génial. C'est absolument magnifique. Franchement, chapeau, chapeau les développeurs, ça je ne savais pas, je viens de le découvrir, c'est absolument génial. Et le T-Rex, ah oui, je voulais vous montrer quelque chose avec le T-Rex, que j'ai pas forcément montré la dernière fois, que j'ai pas appuyé. C'est... Regardez, attends. Bon, alors comme ça va pas se voir, on va aller dans un endroit dégagé. Voilà. Les demi-tours rapides avec le T-Rex. Absolument magnifique. Nickel. Est-ce que si on les tape, ils font quelque chose? Bon, pas sur les one shot, je suppose. Bon, du coup, voilà. Je mets une petite liste marquée sur la feuille, sur une feuille super importante, genre une feuille des impôts ou d'EDF, je sais pas, mais j'ai marqué sur le dos de la feuille en mode Sarco, Spino, Raptor, Trissé, Aigle, Kangourou, l'ours, le Rex et tout ça. Et je l'ai marqué sur le dos de la feuille. S'il reçoit la feuille, Sarcosuchus. Huh. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Par contre, qu'est-ce que tu fous là, toi? Que fais-tu là, mon jeune ami? Voilà, direct dans le poulailler. Bon, mais les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à m'envoyer des Efferalgans par la poste. Et sur ce, je donne rendez-vous pour une prochaine vidéo, peut-être en compagnie des gens de la team. Allez, à plus!